monde, c'est Trop Forestier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau bâtiment. Bah oui, nouveau bâtiment du camp. Le plus grand qu'on ait fait. Et surtout le plus long à réaliser. Je vais tourner la caméra. Voilà, bon, actuellement ça fume vraiment beaucoup. Donc c'est tout à fait normal parce qu'en fait, cet idiot qui est avec moi vient de mettre des branches de sapin vertes qu'il a trouvées par terre. Donc ça a commencé à faire plein de fumée. Bon là, ça s'est un peu calmé. Donc c'est des poutres qui partent du haut comme ça, avec une poutre qui est attachée à deux arbres, juste avec de la ficelle, jamais de clous. Donc de la corde assez résistante, c'est pas de la paracorde par contre. Après, des poutres qui partent du tronc là pour aller jusqu'au sol. Après, plein de d'autres morceaux de bois plantés par terre pour pouvoir faire le mur. Après, une couche de sapin pour pouvoir faire l'étanchéité, puis une couche de mousse. Donc ça nous a pris pas mal de temps pour faire tout ça. Rien qu'à un toit, ça prend beaucoup de temps. Mais la mousse commence un peu à tomber, mais on reste quand même au sec. Ensuite, derrière, c'est un peu plus rustique. Ça part, ça part en cacahuète. Comme vous pouvez le voir, le mur n'est pas tout à fait fini. Après, là, on n'a toujours pas fini la mousse. Ça va pas tarder, je pense. Voilà. Donc, vous pouvez voir bien la couche de sapin qu'on met pour que ça soit à peu près imperméabilisé. Ensuite, bon, là, c'est fait carrément à l'arrache. Et ensuite, on rentre dans la cabane. Bon, c'est hyper sombre, hein. J'avais mis une petite lumière là au-dessus, mais ça éclaire pas grand chose. Bon, là c'est le coin des sacs, on met nos sacs, là c'est mon sac actuellement. Là on a installé un four tout en pierre, donc on a galéré pour amener toutes les pierres ici. Donc là il y a la popote qui est dedans, et en fait il sert un peu de radiateur pour toute la cabane. Parce que ça chauffe vraiment l'intégralité de la cabane. Donc pour les nuits froides d'hiver, ça pourrait être pas mal ça. Voilà. Donc des gros blocs de pierre d'environ 10 kg chacun, presque. Là, on a fait une sorte de petite réserve de bois. Avec du petit bois, du bois un peu moyen et du gros bois. Et pour empêcher la pluie de passer sous le toit, sous le toit, ouais. La nuit ou même quand il pleut, pour rester au sec, on a mis de la mousse qui va bloquer l'eau, qui va faire le rôle d'un mur. Là aussi on en a mis un peu moins, mais voilà. Donc là actuellement c'est le gros bordel, on va régler ça vite fait, mais voilà. Après, pour tenir toute cette structure, on a deux poteaux, un central et un qui est derrière là. Donc ils sont pas plantés, mais ils tiennent. Par rapport au le poids qu'exerce le toit sur les poteaux, ça suffit à les faire tenir. Et puis en même temps, ça fait tenir le toit. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un com. Dites-moi ce qui vous a plu dans cette cabane. Dites-moi ce qui pourrait être amélioré. Comment on pourrait faire pour mieux l'aménager. Donnez-moi des petites astuces, des liens pour des vidéos. Voilà. Faites comme vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss !